Vu qu'on va le générer 10 par 10 en plus. Voilà. Hop. Explorer de nouvelles terres. La capuche de parieur qui nous donne les 10 pièces d'or. On aurait pu acheter de la nourriture. Vous voyez ce pari, je sais pas s'il est vraiment rentable en fait. Parce que 15 pièces d'or, c'est rare qu'on va la récupérer. Et en plus, il y a un prérequis. Donc, ouais, je sais pas trop. Ouais, les paysans affamés, c'est sûrement parce qu'on a une quête pour de la nourriture. C'est juste pour compenser. Alors, on va échanger, acheter de l'équipement. La barbute, oui. Est-ce qu'on remplace le capuche? Elle a 0 de défense. Obtenez 400 or grâce à la compétence de pari, on a gagné 10. Donc on va pas la remplacer, on continue le pari jusqu'à ce qu'elle soit améliorée. C'est peut-être là où elle vaudra le coup. Là on dépense un peu de l'or. Hop. Donc vous voyez, nos niveaux étaient très hauts et ça a vite baissé. Donc ils ont bien rééquilibré le mode infini. Avant, quand tu jouais en mode infini, tu montais tellement haut dans tous les trucs. Même en vie max, tu dépassais 200. Hein. Échanger de la nourriture contre l'équipement. Échanger de l'équipement contre de la nourriture. L'équipement contre d'autres équipements. Équipement contre nourriture. Équipement contre d'autres équipements. Alors, 4 pièces. Parce qu'on en a plein, des conneries. Hein. Alors. Charme de chef, c'est ce qui nous donne des pièces d'or en permanence. Donner le bouclier. Donner l'épée de soldat. Ajoute de l'or. Chaque nouvelle garde. Donc c'est le petit tas d'or que ça ajoute. Mais vous voyez, c'est pas une bonne défense. On a deux autres boucliers, on va la donner. Esprit guérisseur, il est vide depuis un moment. Voilà. Et là, on récupère. Le fléau des tireurs d'élite, on va pas l'équiper. Le bouclier de l'innocent, alors ça fait quoi? Ça affiche les cartes rencontres. Ah, on n'a pas la répute. Alors, et on peut échanger de l'équipement contre de la nourriture, juste pour en avoir après cette rencontre. Ouais, 3 pièces. Alors, la vie gagnée durant les repas est doublée, non? Les anneaux en général, on va les garder, hein. Parce que les anneaux, ça se cumule à l'infini. Voilà, plus 2 au score des dés. L'âge de guerrier, à la limite, on peut la virer. L'armure de glace, non. La capuche, non. Enfin, de la capuche, on pourrait. Mais vu qu'on essaye d'avoir le token, non. Le bouclier, on garde. Le fléau, on garde. Le fardeau, on garde. Visage du gladiateur. Pas mal, hein, le truc du gladiateur, mais on en a deux autres des hommes qui sont... Et puis la défense est cassée. Fortune. Lorsque les squelettes se réaliment, ils drainent vie les ennemis qui les entourent. Éviter l'échec. Ok. Diadème sacré, battez un ennemi corrompu pour infliger un court et retourdissement. Pareil, on a envie de les garder, hein, tout ça pour finir les tokens. Armure de joute. Oh, bah la défense est même pas très bonne. De la nourriture, ça doit nous en donner un paquet, hein. 3, 5, 3, oh là là, les cartes de merde, ça pouvait être 30, hein. Ok, moins 1, l'enfant perdu, ah, alors comment on fait pour avoir ce token, ce n'est qu'un enfant, ouais, alors normalement, on a déjà emmenant le garçon au donjon. Alors on peut sauver le garçon, on peut l'emmener au donjon, là on est payé par les gardes, ou on laisse Estrella gérer la situation. Non, on va sauver le garçon. Et si c'est pas ça, on laissera Estrella gérer. Voilà, et là, il nous faut de l'équipement anti-empire. Donc fléau des tireurs d'élite, bouclier bélier. Le capitaine, il a peut-être de l'armure, mais... Bouclier réfléchissant...
qui m'embête, c'est d'endommager le bouclier bélier sur un truc comme ça. En même temps, on s'en fout. Hein. Allez, go. Et le point de vue de fardeau de l'Empire, ok. Est-ce qu'on n'a pas une armure? Tenue d'aventurier, non. Ça fait quoi contre l'Empire, le barbute? Blocage affaibli. Ouais, non, pas besoin. Hein. En fait, je me dis que si jamais j'enlève le capuche du parieur, ça va pas marcher de le remettre après. Et il est comme ça. On a déjà le fléau de l'Empire. Normalement, on va les dérouiller, hein. Alors, concentré. Ok, barre d'espace, ok. J'ai pas besoin d'appuyer sur Shift. Voilà, R, A. Nickel. Oh, il est beau le bouclier. J'avais pas vu. Le bouclier bélier, il est immense. Children. Nothing but trouble. Ok. Fait super mal sur l'Empire. Oh la belle contre-attaque. Alors, encore une fois les touches rémanentes, bravo. Non. Hop, désolé. Poste. Oh. Après mon coup de pied, il a pour l'empêcher de parer. Joli. Allez, il faut sortir de là. On va réveiller la copine parce que là, c'est pas mieux avec elle. Oh. Espèce de tricheur. On a le bouclier bélier, mais il interrompt en plein milieu de des actions pour lui enlever le bouclier, quoi. Ok. Ok, c'est passé. On fait 22 en frappant, 27 en riposte. C'est même pas énorme, hein, la riposte. Divi Max. 25 vies, très très bien. Alors, est-ce que ça m'a donné le token? C'est surtout ça. Ah, faut réussir ça. On a plus 2. Et on a réussi pile. Alors, capuche du parieur. Relancer les 2 et les 5. Non. Bon, on accepte la victoire. Il tripote nerveusement une petite plante rouge séchée autour de son cou. D'accord, je vais vous le dire. L'Empire a attaqué notre village et couru avec ma mère. On a été séparés. Il essuie ses larmes. Voilà, ils nous disent ce qu'il sait sur la région. Prière au temple, ok, ça c'est cool. Alors, si jamais on prend la Benella, évidemment, faut faire en sorte de ne plus faire de capacité spéciale durant les combats. Déjà qu'on galère. Mais vous avez remarqué, d'une vidéo sur l'autre, je fais n'importe quoi au combat. Soit j'assure à mort et puis on se fait jamais toucher, soit je me fais défoncer. C'est quand même étrange ce manque de régularité. Alors, faire un don. Récompense de Yamgri, banquier du parieur. Ok, celle-là on les connaît. Celle-là, je me souviens jamais ce qu'elle fait. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On peut revenir en arrière. Non, mais c'est pas ça. Après 6 combats contre les voleurs, piocher 6 cartes gains. C'est pas mal, mais en vrai, on veut pas les perdre, les bénés. Bon, en même temps, on risque de les perdre naturellement. Zilote d'or, à chaque fois que je gagne de la vie, je gagne de l'or. À chaque fois que je gagne une béné, j'ai une carte gain avec l'armure de glace. Ouais, alors on a commencé à bien le dépenser, donc on va prendre ça. TV Max, cadeau. Alors au-dessus, c'est quoi? Magasin généraliste et explorer de nouvelles terres. Ouais, faut qu'on ait toute notre vie après le magasin. Alors, on peut aussi vendre de l'équipement. Mais l'équipement, vous avez vu, on peut l'échanger, on peut faire plein de trucs avec. Donc, à notre défense. Oh, ça, c'est bien, ça. Hop.
Alors on peut aussi acheter de la vie, acheter de la nourriture. Ouais, l'armure de gourmandise avec 61 repas, ça nous fait plus 9. Ça fait du 19, on pourrait tanker comme un fou avec. Alors, vendre de l'équipement, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à vendre? Je crois pas. En fait, il n'y a rien qui soit vraiment nul qu'on ait envie de vendre. Il y en a qu'on n'utilise pas, mais vu que l'équipement s'abîme, bah, évidemment, on veut rien vendre. Non, non, on va juste essayer. Voilà, on va camper un peu pour la nourriture. Alors, on a combien? 61 sur 46, donc ça c'est bon. On gagne 10. Ah, il me manquait un point de vie. Ah, j'aurais pu le garder en allant sur le truc, on aurait gagné. Ok, c'est pas grave. Poursuivez votre route. Le plus du parieur, plus 15, hop. Et en plus, on gagne de la vie avec le zilote d'or. Ce qui ne sert à rien avec la capuche du parieur, vu qu'on est forcément full vie. On va arrêter de parier. Parce que je vais changer de casque. Ah, quoique. Quoique. Rêve oublié. Les gens du village se rassemblent. On va bientôt avoir un autre token. Hein. Autour d'un puits, une femme en pleurs parle. Nous cherchons du réconfort pour nos chers disparus. Mais faites attention, si vous regardez trop longtemps, votre âme sera piégée. Alors, qu'est-ce qu'on veut refaire comme aventure? La peste, c'est pas mal. La maison de commerce, c'est pas mal. Comme ça, on donne notre équipement. Longue vue, les deux là, on pourrait gagner le token, donc c'est intéressant. Ouais, mais là, il y a carrément tout le choix. Le purgatoire. Malédiction, bénédiction. Non, il faudrait un truc qui enlève des bénés. L'interception, on a raté. Ça nous dévoilerait des cartes en plus, si je ne m'abuse. On a raté, mais c'est dépenser tout notre or pour faire diversion. Ça tombe bien qu'on en ait que 5. Donc on va faire ça d'abord. Ah bah non, on va faire que ça. Pénitence. Une carte perte souffle s'ajoute au deck pour chaque épreuve échouée. Ok, on gagne des malédictions parce que je suis pas doué. Alors pourtant, ils allaient pas vite, hein, j'aurais dû le trouver tout de suite. Ok, il l'a rajouté là-haut. Ok, et on y va direct. Allez, c'est parti. Donc, on fait tomber tout notre or. Comment ça vous aider à rassembler les pièces? Ok, ça a l'air moins dur que tout à l'heure. Par contre, j'attends que le lac passe parce que vous avez vu, il y a une espèce de petite lagouille. Ah oui, on le refait en moins stressé. Oh! Vous y croyez à ça? Pourtant, c'était dans le bon sens, hein. What an Bon, c'est unfortunate raté, time tant for pis. your skills to leave you. Mais ça, faudra qu'on le reprenne sans arrêt et qu'on essaye plein de fois pour le réussir, hein. Ou alors qu'on écarte la barre de réussite. Avec un des objets. Le pire, c'est que je crois qu'on a un objet pour réussir ça, donc on aurait pu le mettre avant. I will never understand why you are so eager to carve away the pieces of your soul in exchange for mere objects. Non, ben, je vais pas me maudire définitivement pour avoir trois objets pourris. Alors, la tour de garde. Offrir de l'ordre. Prendre le chemin le plus long. Oui, on offre de l'or. On n'a pas quatre pièces d'or. On n'a rien du tout. Ok, ben. On prend le chemin le plus long. 3 unités de nourriture. Ok, ça me va. Attention, dans 4 cartes, on pourra plus livrer. Parents de Russe. Alors lui, on n'a jamais raté, hein. J'aimerais bien savoir ce que ça fait quand on rate. Ah bah, c'est peut-être la journée. Embuscade de l'Empire. Vous suivez une piste de pièces d'argent jusqu'à une allée où un groupe de soldats impériaux vous accoste. Oh, genre, ils ont mis des pièces par terre, on a suivi comme un débile. Ah, s'exclame-t-il d'une même voix. Il n'y a que les véritables criminels qui volent les pièces d'argent dans les rues. Si nous arrêtons, le général nous pardonnera certainement. Inventaire. Ah, il m'a même pas laissé changer mon équipement. En même temps, c'est une embuscade, ça se comprend. Hein.
Non. Je m'attendais pas à me prendre un tir cash comme ça. Ah mais non, j'ai appuyé. Ah là aussi, mais j'étais en plein. Alors soit mon bouclier ne réfléchit pas, soit je suis vraiment pas doué. Ce qui est probablement le second. Ah mais, tu me lâches ? Reste sur mon PNJ là. Ah, elle a intercepté le tir. Allez. Ah merde, j'ai été touché entre temps. Complètement nul. Alors, hop. Montre-moi où ils sont. J'ai dévié en fait, je l'ai pas utilisé du coup. J'ai utilisé pour rien plutôt. En fait, j'ai utilisé l'artefact et au lieu d'appuyer sur valider, j'ai fait le renvoi parce qu'il était en train de me tirer dessus. C'est très étonnant. Alors, affliction des arcanes, bah oui, vu que j'ai utilisé une capacité, je perds Zilot. Mais je gagne la vision en perdant la béné. Alors, il faut vraiment qu'on vire ce truc. Hein. On peut plus avoir de bénédiction depuis qu'on a ça. Alors, 1 sur 3. Alors, gain béni, non, on va la garder pour le moment. Parce que là, on va perdre toute notre nourriture de toute façon. Hein. Oh, joli. Les plaines sont parfois très très c'est dangereuses. Vous glissez, vous perdez l'équilibre. Hop, on perd un équipement. Le fléau des tireurs d'élite. Oh non. Ah, oh, c'est méchant. Le bûcher. Ou. Sainte relique. Sainte relique. Bah, je sais même pas c'est quoi à la sortie. On va aller voir Sainte relique, ça a l'air plus. Moins hostile. Alors, un somptueux monastère a récemment été victime d'un énorme pillage. C'est dommage qu'ils aient pris tout l'or, mais le vol de la Sainte relique est encore plus tragique. On l'a déjà fait, hein. Ramasse un artefact. Ils ont dû le laisser derrière. Ok. Non, on va garder le fléau de l'Empire. Alerter les autorités, employer de la manière forte, agir discrètement. Employer la manière forte. Non, on va alerter les autorités. Voilà, on touche une récompense en plus, sans avoir à se battre. Et là, il y avait du monde, hein. Voilà, très bien. Soyons pleutres. Vous apercevez la fin de votre quête. Allez, c'est parti. La fin de la quête, battez Raph. C'est l'Empire. Hein. Bon, là, pour le coup, on a peut-être envie de mettre une armure anti-Empire. Au moins la barbute. Puis les anneaux, c'est normal. Le bouclier, l'épée négligée. On va prendre les lames d'assassin anti-Empire. Et voilà. Voilà. Alors, je sais plus ce qu'elles font les lames, mais je crois que ça pique. Vous découvrez une scène macabre. Tous les habitants du Whitebrook ont été massacrés. Votre arrivée a interrompu un régiment de soldats impériaux en train de traîner des cadavres dans les maisons environnantes pour les déposer sur un bûcher funéraire. Ils effectuent leur devoir avec une sinistre détermination. Ouais, l'Empire, il tourne mal. Allez, c'est parti. On va les punir. L'officier en chef vous repère à travers la fumée. Les braises projettent d'une lumière inquiétante sur son visage, comme c'est regrettable. Vous auriez découvert le village vide si vous étiez arrivé plus tard. Le mystère aurait été entier. Au lieu de ça, vos corps vont se joindre aux autres. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé ici. Personne. Ok. Bon, avec les lames doubles, on devrait être super rapide. Je vais essayer de jouer sur ça et l'esquive.
En plus, c'est un capitaine et il balance les flèches, les AOE. Ouais, c'est un vieux. Rêve bulldog runner, soldat docile devenu libre comme l'air. Il n'aspire qu'à satisfaire toutes ses envies par tous les moyens possibles. Les généraux provoquent une pluie de flèches, voilà. Ça a pas l'air de faire plus de dégâts et l'autre il m'a déboîté. Ok, donc complètement dans le vide. J'aimerais bien pouvoir utiliser, voilà, ça. Cul. Non mais il faut que la capacité elle s'arrête de faire ça quand j'essaie de faire F. Sinon ça ne marche pas. Ah oui bah ça, vous voyez le blocage affaibli, c'est que ça le rend vulnérable après que je lui mets un coup de pied pour enlever son bloc. Et du coup quand c'est vulnérable tu fais plus de dégâts. Bon par contre heureusement que j'avais de la vie. Hein. Et de l'armure. Alors le combat a usé votre équipement, ok, vous gagnez 20 de notoriété. Et ben voilà, c'était facile hein, celle-là. Faction de l'Empire est plus forte. Hop. Alors je suis à 2000, hein. C'est ma première fois. Hein. Vous voyez un groupe de recrues arrivé dans les bois à proximité de la forteresse. Ok. Donc là on doit ouvrir les portes pour le groupe. C'est juste réussir un fendule. Vous avez vu la barre? Oh mon dieu, et puis c'est tellement rapide. Ok. Oh, je le sens absolument pas. Bon, on va y aller au pif. Allez, maintenant. Oh, trop court. Allez, on retente. Oh, évidemment, grand échec. Alors là, c'est l'horreur. Non seulement j'ai pas réussi, mais de rien. Hein. S'il n'y avait pas eu le grand échec, ça touchait. C'était quoi ça? Je les ai pas perdus. Hein. Les bardes chantent vos malheurs. Ok, pénitence. Vous reprenez. Ah! On a une malédiction qui nous donne des malédictions quand on échoue. Ah ouais, ça va être le début de la fin si on commence à accumuler les malédictions. Alors, épreuve réussie pour le cartographe. Ça, c'est le plus facile. You have proven yourself worthy. Alors, l'âme d'assassin. Oui, en fait, on les a perdus parce qu'on a perdu de la répute. Mais là, on les récupère. Oui, oui, on veut... Step by step, you come closer. Alors, succès déverrouillé, novice. Très bien. Now the challenge begins. Alors, nouvelle aventure, tournée de gobelins. 45 d'or ou la mort. Voyou du village. Alors, les voleurs sont améliorés déjà. Hein. Donc, attention à ça. Bénédiction permanente. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça nous donne peut-être une béné à la fin. Si ça nous fait des bénédictions qui peuvent plus être tirées, ce serait plus cool, mais... Alors, on va faire les gobelins. Faudra bien les faire un jour, de toute façon. Si on doit devenir fou, c'est maintenant. Par un combat contre de puissants gobelins. Oh mon dieu. It seems the goblins have become organized. Do what you will. Vous avez cité un discours d'un ecclésiastique de vos rangs au cœur de la ville. Les gobelins, s'exclament l'homme pâle et émacié du clergé. Ces vermines puantes ont envahi une terre sacrée et profane en ce moment même de nombreuses reliques saintes. Il tend un doigt crochu pour souligner son propos avant de dire « La violence est formellement interdite au sein de la chambre sacrée du mausolée, où vous risquez l'expulsion de notre saint ordre, voire la damnation de votre âme. » Le vieil homme vous regarde de bas en haut. « Mais en tant que mercenaire, je m'attends à ce que le travail ne vous pose pas de problème. Un garde armé portant les couleurs rouges et blanches typiques de l'ordre de la force de Calaz vous fournit un parchemin vous permettant d'accéder à l'église qui garde l'entrée des tombes. » Alors, posséder 7 malédictions. Choisir une récompense, moins 2 équipements si on rate. Ouais, faut pas la prendre celle-là, mais 600. Cela dit, on va les accumuler les malédictions. Hein. Livrer 54 d'or, moins 3 bénédictions. Oh, on peut prendre ça. Carte chance, équipement de platine. Moins 25 de notoriété. Je suis pas sûr qu'on en ait d'équipement de platine.
Mais si on le prend, peut-être qu'il nous en donnera. Oui, celle-là, on va pas la prendre. Hein. J'aurai peut-être pas cette malédiction. Enfin, j'espère. Après, est-ce qu'il me les enlève? Non, il me les enlève même pas. Hein. Non, non, on va pas la prendre. Parce que si on les a pas, ben, on perd juste le matos et c'est nul. Alors, une jeune fille nommée de Valeria D1, enlevée, ok. Un groupe de fermiers, ça on connaît. Alors, échange de gnomes, il nous faut le token. Donc, échange de gnomes, it is. Prévention contre les pilleurs, d'équipement, combattre des nordiques, ouais, moyen. Échange et home, ouais. Cette fois, on lui donnera. Alors, d'ailleurs, on les a déjà, ces cartes, donc peut-être qu'on les a en double maintenant. Ravageur, fermier circonspect, gagner de la nourriture si on a suffisamment de réputes. Possible qu'on ait assez. On va faire le bras de fer. De la vie max. Non, je crois qu'on va prendre le fermier. Ici, la diligence des disparus. Oui, on l'avait clairement. Donc, il nous les a virés en fait à chaque fois. La bifurcation, la maison de jeu. Non, on va prendre les deux qui donnent un token. Ouais, en fait, il y en a trois des tokens. Parce qu'on a bientôt fini l'autre. Alors, retour des vents. Credo du berserker. C'est pas mal ça. Hein. Puis un token à la clé. Faveur de Felvin. Et marteau humble, héros humble. Moins t'as de matos ou moins t'as de répute, plus tu fais de dégâts. Ouais, bah ça c'est pas bon par contre. Défense, poche serrée. Défense contre les gobes. Résistance contre les morts vivants. Ça c'est quoi? Vimax. Résistance au feu. Ouais. Les anneaux c'est toujours bien. Hein. Défense vivante, souffre. C'est bien quand les cartes souffrent, et je crois qu'on en a mis dans le deck avec une malédiction. On va prendre quand même des anneaux. Les cartes cadeaux. Alors les cartes cadeaux sont liées probablement aux cartes qu'on choisit. Vous savez, les aventures qu'on choisit. Du coup, on retrouve toujours par exemple les plaines ou ce genre de choses. Je pense que c'est la livraison des fermiers qui les met dedans. Après, ça se trouve, c'est lié à l'aventure en elle-même. Faudrait voir en prenant pas de quête secondaire pour voir si ça nous donnerait des trucs ou pas. Alors là, on l'a jamais raté. Quel que soit le résultat, ça sera sympa. Là. Ah bah voilà. Premier raté. Oh, le dealer ajoute des cartes de faible valeur au deck de gain. Serpent ou un de... Ok. Donc une carte gain de une pièce d'or. C'est-à-dire que si on gagne des pièces d'or à un moment donné, on pourrait tomber sur ça et on serait rect. Bon, ça va, c'est pas trop dangereux. La longue vue. Et ben, on a un casque pile là. On peut donc lui donner tout de suite. Alors, prêtez votre home, lui donnez votre home. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va lui donner la capuche du parieur. On l'a un peu monté, voilà. Il met le home, regarde le ciel à travers sa longue vue. Hop. Explorer une nouvelle terre. Embuscade de gobelins. On pourrait éviter l'embuscade. Bras de fer, interception. Pleine traîtresse. On pourrait éviter ça aussi. On va faire que les tokens. En fait, je me dis que j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'embuscade de gobelins, mais qu'il va y en avoir d'autres de toute façon. Donc, éviter tout ce qui est embuscade. Ah, on a eu le token? Non. À la prochaine alors. Oui, on a eu le token, mais on n'a pas eu le jeton complet, quoi. Bras de fer. Alors, avec l'anneau, normalement, ça devrait être une formalité. Hop, 10 d'or, on prend. Il faut gagner le quatrième événement de bras de fer pour avoir le token, j'imagine. Donc là, c'était le premier, vu que c'était que 10 pièces d'or. Oh, allez, là on le passe. Là on le passe. Il faut faire tomber son or et réussir ce challenge. C'est quand même pas la mer à boire. Oh, regardez comme il est plus simple. Il est plus simple, mais on peut quand même se rater. Hein. Il est plus simple parce qu'on avait beaucoup d'or. Plus on a d'or, j'imagine, mieux c'est. Bon, si j'avais raté, j'aurais eu la honte. Hop, le messager. Ok, allez, donne-moi le token. Ah, un pièce d'or. Et on a un autre token qui se remplit. Et de deux.
Ok, donc on va pas dans les plaines traîtresses. Encore que dans les plaines traîtresses, il peut y avoir du matos, il peut y avoir des trucs. Mais on est limite en nourriture, hein, donc. On va aller demander au fermier de la nourriture. 15. 18. 23. Pas mal. Pas mal du tout. On va pas dans l'embuscade. Si on avait la quête aussi de tout visiter, je l'aurais fait, hein, mais on l'a pas. On va économiser nos ressources. Alors, pareil, notre inventaire, il y a des armes qui doivent être défoncées. Les lames d'assassin, vous voyez, elles sont à 9. Puis elles sont nulles en plus, hein. Franchement, elles m'ont pas trop excité depuis le début. La lame de récolte pour nous faire de la nourriture vu qu'on n'en a plus. Et l'armure, il nous faudrait celle anti-gob. Donc faut qu'on trouve du matos. Alors, ah, je l'ai jamais réussi celui-là en plus. Un épais miasme emplit l'air, dégageant l'odeur pestilentielle des créatures ayant péri dans les eaux sombres au fil des années. On dit que les voyageurs qui l'empruntent sur ce sentier sont atteints d'une toux éternelle. Donc on se dirige, on trouve une vieille diligence. On perd 10 points de vie max à cause des relents putrides des marécages. Il faut réussir ça. Ah, il faut faire en gold, si possible. Oh là là, c'était beau, j'aurais dû cliquer. Ah, je pense que ça va être assez régulier. Encore, on aura une autre case. En fait, l'argenté cache l'or, vous voyez. À la limite, c'est pas grave si on fait l'argenté, mais. Ouh! Oh là là, l'or qu'on touche! C'était vraiment à l'instinct, hein, mais c'est super chaud en fait le pendule, hein, mine de rien. Vous avancez facilement jusqu'à la diligence, accédez rapidement aux deux caisses verrouillées. On choisit. On va prendre ça. Sans tirage de roue pour déverrouiller. Un ennemi au hasard est mis en évidence. Ouais, elle est un peu nulle. Attendez, on va prendre plutôt ça. Étourdir les mages, voilà. On n'a pas d'armes contre les mages. A challenge for your skills. Handled well. Oh. Little is more deadly. Je vais prendre le résistance au feu. Non, la tenue de mercenaire, c'est le machin. Oui, on remplace l'armure de glace. Ça m'embête. Ça m'embête parce que quand on gagne ou on perd une bénédiction, on gagne des gains. Mais je crois qu'on en a plus de bénédiction. Je veux le token par contre. Ouais. Ok, on en a qu'un. Atelier du mage, très bien.